Tu manges pas, ça veut dire quoi? Marche devant moi là-bas. Marche devant moi là-bas. Tu penses qu'on est où ici? Hein? Tu penses qu'on est où ici? Tu penses qu'on est où ici? Depuis le matin, on sort, il n'y a rien dans cette zone ou bien. Mais c'est toi qui me conduis, non? C'est toi qui es en train de me conduire, non? On y va, on y va. Il y a quelque chose ici, c'est toi qui me dit, non? Ça veut dire quoi? On y va. Jomio, tu as fait tomber ta maman. Jomio, tu as fait tomber ta maman. Est-ce que c'est moi? Je t'ai dit de mettre des lunettes ça. Des lunettes de soudeur, toi-même tu mets. Tu vas pas tomber. C'est les lunettes de soudeur là que je mets et puis on mange. C'est-à-dire, si aujourd'hui on gagne pas beaucoup d'argent, tu manges pas. Parce que tu m'as déjà même fait tomber. C'est-à-dire que où je suis en train de te parler là, tu as me regardé manger aujourd'hui. Tu es un enfant de l'abandon. Ton papa sait pourquoi il t'a abandonné. Enfant de l'abandon, il fait pas les caprices. Tu es un enfant de l'abandon et puis tu fais les comportements. Un jour, moi, mais je vais t'abandonner pour te jeter, Jomio. Je vais te jeter. Si c'est pas la fin. Oui, Jomio. Tu as fait comme les gens de la famille de ton papa. Ta grand-mère paternelle, là, c'est la fin qui l'a tuée. Qu'elle voulait mourir, mais elle n'avait même plus de chair. C'est ça. C'est ça que moi, j'ai refusé et puis je t'emmène au mendi comme ça. Et puis tes cheveux là, je t'ai déjà dit, tu vas me raser ça. Mais c'est le style. Tu me fais la peau. Non, c'est le style. Moi, je ne peux pas raser ça. Les choses tu portes, tu fais comme si tu t'en vas vers la lune là. Si tu continues ça chez moi, je vais te jeter dehors avec tes bagages. D'abord même tu n'as rien acheté dans ma maison. D'abord alors là, moi je dois être à l'école avec mes camarades. Maintenant toi tu me prends pour aller mendier. Toi tu me prends pour aller mendier. Et tu dis quoi? On y va. Tu as vu comment tu es ingrat? Tu as vu comment tu es ingrat? Si tu vas à l'école, comment tu as fait pour manger? Marche devant moi. Joli tata. Son parfum sont bons, hein. Oui, joli, hein. Si je pouvais, je vais dire à Dieu de me donner les yeux pour pouvoir te voir. Avec un thé café. Café merci. Cocaïne. Merci. Avec des lunettes. Merci beaucoup. Tata, oui, tout ça là, il n'y a rien. C'est une mendiante. Mais pourquoi elle a mis des loupes? J'ai trouvé quelque chose pour vous. Ok, elle a mis comme. C'est léger, hein. C'est combien ça? 100 fois. C'est 100 fois, Diane. Mais c'est ce que j'ai que je vous donne là. Vous n'allez pas m'obliger à donner ce que je vous parle. Vous êtes bien habillé comme ça, vous donnez 100 fois. C'est ce que non, je non, 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 non. Tu as vu son français n'est pas là, c'est une achat. Tu es une achat. Pardon? Si je pouvais voir même, j'allais te dire. Parce qu'elle a porté les choses chez ou bien? Oui, oui, oui. C'est ça? Tu es une prostituée. Parce que si tu es vraiment prostituée, tu n'avais pas. Elle fait ça pour chercher client. Elle a mis ça comme ça. Avec ton dos couvert, on dirait quelqu'un qui a chargé problème de pauvreté depuis 30 ans là. C'est à moi qu'elle est en train de parler comme ça. Ma maman. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi qu'elle est en train de parler comme ça. Donnez-moi mes 100 francs. Non, tu vas prendre les 100 francs là. Vous ne me connaissez pas. Tu vas prendre les 100 francs là pour aller. Vous ne me connaissez pas. Toi, tu es qui? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Hey, c'est la police qui vous parle. Tu me connais? Prostituée. Prostituée. Il faut lui dire de se taire d'abord. Je passais, son enfant m'a demandé de l'argent. J'ai pu déposer 100 francs dans le bol. Elle me dit que c'est peu. Sous prétexte que je suis bien habillée, ça comme une façon de prostituée. Monsieur, c'est qui est là? Moi, c'est un policier. 100 francs là est où? 100 francs est où? Monsieur le policier, bien arrivé. Bien arrivé. Parce que moi-même là. Elle n'était pas aveugle. Vous voyez? Elle n'est pas aveugle. C'est pas possible. Je vais te demander la permission pour être aveugle. Si je me lève, je dis que je suis aveugle, c'est que je suis aveugle. Mais c'est pas bon, je suis aveugle. Le pays doit te punir. Je suis aveugle encore. Vous êtes en état d'arrestation. Premièrement, vous n'avez pas inscrit votre enfant à l'école 2x2. 2x2. 5. Un enfant qui nous a vu comment tu es taré. Tu as vu comment tu es taré. Et après, tu as vu comment tu es taré. Vous ne mettez pas l'enfant à l'école et vous raquettez les gens. Je vous envoie au poste. Tu vas envoyer qui au poste de police? Je vous envoie au poste de police. Jomio, tu es où? Ne laisse pas. Je vous envoie au poste de police.